Allez, c'est parti, mon chat. T'es prête? T'es prête, mon amour? Mais c'est qui, ça? C'est maman! C'est maman et mon amour. C'est maman. J'ai accouché d'une petite fille, Soali, dans la nuit, sans complications. Tout s'est super bien passé. Ça a été un accouchement de rêve. Notre petite fille pèse 3,175 kg pour 50 cm. Donc c'est un petit bébé. Et elle est en pleine forme. On est encore sur notre petit nuage avec Maxime. Tu veux voir ta petite sœur, mon chat? Tu vois ta petite sœur? Tu vois? Regarde les bébés. C'est ta petite sœur, Chatou. Ouais, ça va se rendre compte. Oh là là, mais elle paraît si grande. Dis. Regarde, regarde les bébés. Regarde là, les bébés. Oh. C'est qui? C'est qui ça? C'est qui, mon chat? Regarde. C'est ta petite sœur. Regarde. Oh. C'est ta petite sœur, mon chat. C'est mon chat. La rencontre entre Tiwai et sa petite sœur. Moment unique. C'est tellement magique. C'est obligé d'immortaliser ça. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle, ta petite sœur? Il sait même pas, you, encore. Mali. Elle s'appelle comment? Soali. Soali. Bienvenue. C'est Soali, mon chat. Regarde. Oh. Ça va tout café. Attends, c'est trop mignon. Regarde, regarde. Mais lui, face à elle. Regarde. Viens, mon chat. Viens, petit. Faire un bisou. Doucement. Bisous, regarde, comme ça. Bisous. Titi, t'es trop belle. Ah, c'est trop beau. Tu veux faire un câlin? Oh, câlin. Un gros câlin. En fait, même dans nos plus beaux rêves, on n'a jamais imaginé ça. Tu vois, il regarde sa petite sœur, mais elle l'aime déjà, ça se voit. T'as vu dans ses yeux? Je savais qu'au fond, quand même, tu vois, il allait bien réagir puisque c'est une enfant assez solaire, elle est très, très câline, très bisou. Mais là, à ce point-là, elle l'a tout de suite adoptée, sa petite sœur. Ah, tu vas te venir là? Oui. T'es avec papa. Elle est avec papa. Oui. Elle est belle, hein? Elle est belle. La tête. C'est le bébé. Ça, c'est mes deux filles, ça. C'est Lily. Oui. Et oui, Lily. Titi et Lily. Oh, vous êtes belle, mes filles. Oh. Prête ta tête. Dire un esquimau. Pour l'instant, c'est vraiment que du bonheur et on en profite au maximum. Et c'est vrai que moi, je pensais, j'ai beaucoup rêvé, entre guillemets, de mon petit garçon. Mais là, quand tu vois les deux petites, l'une à côté de l'autre, tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, le destin, il est bien fait. Parce que deux petites filles rapprochées comme ça, c'est magnifique. Ouais.